Hey, salut YouTube. On est parti pour le deuxième épisode. Toujours plein d'incendies. Je préfère les maisons parce que les arbres ça a l'air quand même. Ah bah dans la ville où on était, il y a plus de mission. Enfin pas de mission. Je crois qu'il y a une forêt. Je crois qu'il y a une forêt de ouf après. Ok. Tiens bah il y a une petite maison à faire là. C'est parti Ronaldo. Hein? Bah du coup Ronaldo, je te propose qu'on attende une heure voir s'il y a une propagation de feu. Ah t'as peut-être toute la famille à sauver gros dans le bâtiment apparemment, t'as vu d'après le message. Donc on va peut-être avoir plusieurs personnes à trouver dans... Attends, on est loin là. Non, il reste 1 km même pas. On est à 400 mètres. Ok, on est arrivé sur le lieu gros. Juste à côté d'une école, bravo. Merde, c'était là. Je vais perdre des points. Non, allez, vas-y. Ça marche si je suis en marche arrière. Hein. Ok, c'est bon. Je l'ai vu, ça, là, dans le test. Comment ça, dans le test? Il y a un mec en haut. Au-dessus. Comment ça, un mec au-dessus? Il y a un mec qui est coincé là. Comment ça, un mec qui est coincé là-haut? Non, mais tu vois, les bots ils font notre travail. Bon, c'est pas grave, attends, je vais essayer de voir pour la pour le pied de biche là. Là, il y a les scies. Ah, t'as réussi à trouver le pied de biche? Ouais, je vais monter à l'échelle. Moi, je vais faire les pièces d'en bas pour voir. N'hésite pas à ouvrir les fenêtres pour l'évacuation quand même. Je crois qu'il va falloir avoir besoin d'un extincteur ici, gros. Ah, j'ai trouvé une personne. Joué. Inconsciente. Wow! J'ai demandé à mon pote qui vienne éteindre le feu là. Hein. Non, là j'ai mal. Vas-y. Deux personnes. Vas-y, moi je suis en train de guetter en bas. Par contre, j'arrive pas à rentrer dedans. Comment ça se fait? Franchir la fenêtre, ça y est. Merde. Je vais demander à mon bot de. Moi j'arrive pas à passer à la fenêtre en bas là. Je suis en train de péter toutes les fenêtres du bas. Je regarde si mon bot il vient le chercher. C'est bon, il l'a pris. Okay. Ah là je vais peut-être pouvoir passer par la fenêtre. Ah j'ai trouvé quelqu'un, j'ai trouvé une victime. Bonjour monsieur. Venez, on va passer par la fenêtre ici. Est-ce qu'il va passer par la fenêtre? Ouais, c'est bon. Allez, venez, monsieur. C'est bon, il n'y a plus personne. Victime piégée dans la cuisine, victime inconsciente dans la chambre. Moi, j'ai celle de la cuisine, je crois. Ouais, bah moi, j'ai bon, par contre, il marche tout doucement. Allez, venez. Venez. Du coup, il leur reste... Ah bah, non, c'est bon, il reste que lui. Ok, il c'est bon, on a toutes ligne. Les victimes. Où il est là. Tu peux prendre en haut aussi. Non. Attends. Comment ça tu peux prendre en haut? Il y en a au-dessus là. Attends. Là, ah. Là-haut. Je sais pas si c'est les mêmes. Bon, je pense que oui. Mais... Si, c'est les mêmes, je viens de les prendre. Ok. C'était quoi? C'est un feu électrique ou pas? Je sais pas, j'ai pas l'information de ce que c'était. Quand t'as été dedans, t'as pas eu le temps de voir. Négatif. Attends. Tu peux demander à ton mec qu'il ouvre la fenêtre là. Comme moi le mec il est en train d'éteindre le feu. Enfin il est en train de... J'ai pas d'eau gros. Oh putain, il a pas mis de la ligne. Oh ah là, bah oui, on a déjà là, putain, les handicapés qu'on a. Non mais il faut laisser les bottes gros. Ah il faut laisser les bottes. Le faire. Bah non c'est bon, ouais, ça prend 2 secondes hein. Tu prends ça, hop. Ah mais... Le but c'est de sauver les gens, t'as pas le temps de... Mais si, regarde, c'est... Allez, en fait... allume s'il te plaît là, vite là. Attends, ça prend, bah attends, ça Il est malin lui. Allume-le là. C'est bon, c'est bon, ça a alimenté là. Là. C'est bon, allez. Est-ce que j'en ai un autre? Hein? 45. Ah ouais? Non, c'est vieux. Il a 32, je sais pas. Maintenant, t'as quel âge toi? Moi j'ai 31 moi. 31. Pourquoi j'ai pas d'eau? Ah si c'est bon.
Wow. Elle fait pas de l'entrée, gros. Dangereux cette maison. Tu peux pas passer autrement là parce que. Si, quand tu passes par la cuisine, quand tu fais le tour, j'ai payé, y a une fenêtre qui est pétée. Tu peux avoir accès. Genre le tuyau il arrive à passer. Ah, mais en plus on a un tuyau limité, gros. Marrant ça. Ok. Fenêtre est bloquée. Yes, sir. Yes, sir. Come on. Allez, allez. Yes, sir. Yes, sir. Ah, je peux pas passer de l'autre côté, y a rien qu'à t'es. Ton collègue il fait quoi là? Bah attends, je lui ai demandé. J'ai un mec qui est en train. Oh, il est passé par le plafond, le type! Il est sérieux là? Putain, je peux pas passer parce que ça a pas été pété derrière. Putain, botte de merde. Ok, normalement cette pièce est faite. Eh, hey, le pompier là! Ah, ils sont bons les pompiers hein! Ah, tu m'étonnes. Allez hop, je rentre là-dedans, allez hop. Je fonce! Bah, si tu veux, nous on a déjà éteint à peu près l'entrée. À peu près. J'ai dit l'entrée hein. J'espère juste que le mec derrière moi il est en train de faire quelque chose parce que sinon après qu'est-ce ça va se faire. Qu'est-ce qu'il fout mon bot là? Et vas-y éteins. Attends, ma lumière elle a allumé. J'ai trouvé ma vocation. J'aurais dû faire ça avant. C'est quoi d'être pompier? Ah ouais. Ah mais t'es pas sportif, c'est dommage. Bah si avant j'étais. Ah oh ouais, dans tes rêves. Aïe! Qu'est-ce qu'il y a? T'as marché sur une flamèche? Le chien. Il m'avait. Arrêtez, mais merde! Je suis en train d'éteindre le feu dans l'escalier. Je vais vous emmerder devant vos streams, là. Dans quoi? Dans tes streams. Oh bah, je vais en engueuler. Il faisait 45 kilos. Qui est le chien? Ouais. Bah, tu l'engueules parce que t'es jaloux, oui. Bah rien mec. J'ai en train de m'occuper de l'étage pratiquement. Oublie pas hein, s'il y a graisse, extincteur hein. Je sais. Il va falloir prévenir, on sait jamais. Ah mais... Attends, j'ai demandé à mon pote qui vient de m'aider là. Merde, je peux pas lui demander. Je te rejoins. Je peux pas lui demander qu'il vienne avec moi là. Attends, est-ce que je peux péter la fenêtre là? Que ça me... Ah, j'ai juste pété la fenêtre, gros! Fais gaffe, il fait derrière nous! Hein. J'espère qu'ils s'occupent du bas, les deux! Hein. Attends, la fenêtre! T'as ta lumière allumée, toi? Ouais! J'ai pas l'impression de la voir! Ouais, non, mais ouais, mais là, t'as tellement de fumée en fait, parce qu'en fait, on a rien ouvert, nous! Hein. Donc, forcément, t'as énormément de fumée! En fait, faut qu'on arrive à. Attends, je suis debout, ferme. Attends, j'essaie de péter la tête. Ok. Oh, ah, on a fini? Mais non. On est trop fort. Putain, mais c'est trop facile ce métier. Ouais, j'ai un feu, ça dure que 5 minutes avec nous. Incroyable. Attends, on est tellement compétents. Ah, je vais peut-être m'engager, hein, Renado, hein, ça y est. Hein. Je pense, j'ai ma foi. Hein. Tant de conduite rapide, tant de missions rapides. Eh, mission parfaite, gros. On a une mission parfaite. Toi, instable. Putain, t'as vu, même le top peut s'écrouler. Oh, on a un nouvel incendie. En haut de l'échelle. Merde, attends, j'étais pas sur la mission. J'ai mis un pouce sur le policier maintenant. Tout ça parce que t'es dessus. Ouais. T'as vu? Ah, c'est notre nouveau camion, regarde, on a un camion à échelle en fait. Oh. Ah, il va m'empêcher de passer. Putain, dégage, on est en mission. Avance! Accident de route. Mais ouais, mais il est abruti, on est en mission, le mec il roule à deux à l'heure. Putain, c'est un. C'est un pompier ou un fonctionnaire? Pourquoi les bots ils bougent pas avec nous? Si, ils sont avec nous les bots, non? Les bots à nous ils sont avec nous, mais ça. En fait, t'as toujours un camion à échelle en plus sur la game. Ça sert à rien. Bah, au final, bah si, parce qu'en final, si toi t'as besoin d'un camion à échelle, oui, par exemple, t'as pas ça, débloqué, tu vois, tu. Faut éviter d'être bloqué. Ça. Allez, con.
Non mais c'est con que, en fait, je parte après eux. Parce que regarde, je vais 10 fois plus vite qu'eux en fait. Ça va voir que je vais pas réussir à faire mon temps rapide parce que... Au final, ils ont mis deux heures, enfin ils m'ont bloqué. Oh la vache. T'inquiète pas, je suis un professionnel de la route. Il y en a qui traversent, il est mort. Par contre, j'ai hâte qu'Ambulance Simulator il sorte quand même. Putain. Mais moi je kiffe les jeux de simulation, c'est tellement sympa. Bon après ils sont pas tous qualitatifs mais C'est écrit pour rapide bug. Oh le camion glisse. Bon, on est déjà arrivé, moins d'un kilomètre. Par contre je vois pas les flammes gros. On va en faire 260. Bah non, je vois pas les flammes. C'est sûr que c'est une bonne adresse. Imagine c'est un faux appel. Non, si c'est bon. Je vois pas de fumée gros, y'a pas de fumée sans feu. Non, y'en a pas. Mais c'est pas normal qu'il y ait pas de feu. Enfin y'a pas de fumée hein. C'est un faux appel mec. Heureusement que j'ai des bons freins. Y'a rien. Y'a pas de fumée gros, c'est bizarre. J'aime pas ça. C'est chelou ça. Ah ouais, ça se trouve c'est un faux appel. On approche pas du sinistre, y'a pas de sinistre. À mon avis c'est un autre truc. Oh y'a les flics gros. Y'a jamais eu les flics je crois. Ok. Non mais descends s'il te plaît. Alors soit on était rapide. Ah si ou... Oh non. Ah si y'a un peu de flamèche. Ouais je pense qu'on était ça, rapide. Il faut prendre l'échelle. Il faut prendre l'échelle gros non. Peut-être. Bon j'ai bien fait de prendre le... Mais attends parce que comment on alimente notre camion. Parce que je savais où trouver les tuyaux. Pareil, la même chose. Non mais attends faut trouver les tuyaux là. Ah oui oui. Alors attends. T'as vu qu'on a pas le bon camion. Enfin on a l'autre camion. Ça c'est les extincteurs. Il est sympa le camion là. Tu vois c'est quoi ça. Outil de force. Ah là je crois. Non. Ah non. Un compartiment. Ah je crois que c'est ça. Ah ouais ligne d'approvisionnement. Ok j'ai. Alimente nos deux tuyaux s'il te plaît. Mais putain j'arrive pas. C'est vrai qu'on alimente. Alors attends. T'alimentes où? Là. Par contre. Elle est où la bouche à incendie? Il est où l'embout? Je pense qu'il doit être dans le camion. Ah mais y'a quelqu'un qui a déjà alimenté de l'autre côté, c'est toi? Non c'est le bot à mon avis. Merde. Attends je peux pas alimenter de bouche. Oh merde. Bon j'ai fait ça pour rien. Ok, bon bah voilà. Attends sinon ce qu'on va faire c'est quoi, on va demander aux bots qu'ils éteignent le feu comme ça ils vont créer les lignes. On va aller déjà en train d'éteindre le mien, ok. Je vais prendre un pied de biche, un outil de force. Et je vais faire le tour de la maison. Il y a une indication ou pas de victime? Ah si, rechercher et sauver, ok. Est-ce que toi tu passes au premier par les fenêtres pour chercher en haut? Ouais, je vais y aller, je prends... Vas-y, je suis en train de passer par la porte d'entrée, moi. Je prends la hache, par contre. Okay. Bonjour, c'est les pompiers. Y'a quelqu'un? J'ai demandé au bot d'éteindre le feu. Ouais, mais comme ça, lui, il va te créer la ligne, en fait. C'est plus rapide. Ah bah ça mène dehors, ok. Y'a un tableau électrique. Je déconnecte l'électricité, gros. Voilà. Ok. Je suis dans la cuisine, RAS. En bas, salon. J'ai deux victimes en bas, gros. Il y en a combien, normalement? Je sais pas. J'ai pas d'infos. Non, attends, avant de les prendre, je vais ouvrir la porte qui est là, parce que je pense que ça va me ramener directement à la porte d'entrée. Ok, et ça va me ramener directement de l'autre côté. Ok. D'accord, je m'occupe des deux victimes en bas. La victime inconsciente dans le salon, victime inconsciente au deuxième étage. Mais je pense qu'en fait, il dit que t'as les victimes parce que tu les as croisées. Mais ça, c'est moi qui les ai désactivés, les trucs pour dire où ils sont. C'est pas réaliste sinon. Là, au moins, tu sais, on fait un peu de recherche. C'est sympa. Allez. Par contre, madame, vous êtes lourde, faudrait penser à faire un régime. Parce que... mec sympa. Hop là. En fait, le bot, il me suit. Ok, c'est bon. Mais normalement, ouais, parce que t'as fait juste flash de droite. Donne-lui la mission de. Tu vises par exemple le feu.
Et tu fais R1 flèche de gauche, je crois. Moi en bas, j'ai tout clear. C'est bon, toi? Ouais, je descends. Là. Vas-y. Ouais, t'as eu le temps de tout. Visiter. Tu sais que t'as pas besoin de regarder ce qu'il fait, hein? Non, je viens de lui donner l'ordre en fait. Ah. Il est où l'ambulance, on merde? Elle est juste derrière en fait. Hein. J'ai pas vu. Ouais, ah, mais il me suit, putain de botte de merde. Je crois qu'il faut que tu restes appuyé sur flèche de gauche pour qu'il arrête de tuer. Mais attends! Tellement c'est le tien lui. Attends, donne ton. Voilà. Donne ton embout toi. Voilà. Merci. Ah mais j'arrive pas. Ouais mais en fait je sais pas, j'arrive pas à leur donner une mission en fait. C'est bizarre. Mais en fait c'est juste un feu de toiture hein. Au pire, et toi, essaye d'utiliser l'échelle. C'est fait, ok. Okay. Là, ça m'étonnerait qu'on arrive à. Après, mais elle a rapide cette mission, ouais. En vrai, là, c'est que la toiture qui a pris. Je sais pas si on a des échelles dans le camion pour. Bon, par exemple, tu sais, elle est sur le toit ou des trucs comme ça. Il doit y avoir le feu de l'autre côté en fait du bâtiment. Hop. Ah, il me reste 43 de vie, gros. Oh, j'ai fait le con. Mais du coup, t'as pris une lance incendie aussi directement dans le camion? Poser le tuyau pour contrôler. D'accord. Et comment tu fais pour utiliser le camion du coup? Attends, justement. Ah, rentrer dans le poste okay, de contrôle. Ok, je monte. Allez, je monte. Le visiteur doit être activé. Okay. Ah, ok, il y a une lance déjà. D'accord, je suis redescendu. Youhou. Ah, mais vu que j'ai pas fait cette partie du tuto. Ah, c'est toi qui m'as fait descendre. Pas du tout. Ah, merde, pourquoi. Comment tu t'actives les stabilisateurs? Ah, c'est là. Ok. Ah, ça fait stylé les échelles quand même. Ok. Déployer bras. Ah, j'espère que l'échelle elle sera assez loin là parce que. Pas combien il y a de mètres sur le bras mais. Ah, je pense que je vais être à fond. Et pourquoi il me fait descendre à chaque fois gros? Bah, t'as mis les stabilisateurs? Contrôler nacelle. Des triangles ça fait un. Ok. L3 lance un incendie. Ah mais laisse tomber vu que c'est l'autre côté de la maison en fait. Moi l'échelle... L'échelle elle y parvient pas en fait. Là je comprends vraiment pas. Ouais. Avec ce camion là j'ai je comprends pas. Normalement t'appuies sur R3. Ok, quitter la nacelle. Merde. Y'a un moyen que je puisse descendre plus vite ou pas? Je sais pas si je fais ça. Ah, ok, ça y est. Ok, j'ai un. Non, mais tu sais que là, ça sert à rien que tu utilises l'échelle si jamais. Ah, je sais, mais je viens de tester. Ah, si, j'arrive à. Attends, j'ai deux petits points. Mais comment je fais pour sortir mon truc là? Ok. J'ai obligé de la remettre où j'étais là? Il faut appuyer sur R3 pour aller arroser. Par contre, du coup, le tuyau il est où là? Moi, c'est pas. Attends. L'autre, il sert à rien. Là. Ah, voilà, c'est carré pour descendre. Okay. Par contre, moi, ce que je voudrais, c'est peut-être récupérer une échelle. Je vais récupérer l'échelle qui est là, je pense. Elle nous sert pas. Okay. Non. Comment on fait pour récupérer l'échelle, gros? Non.
Ah mais attends, il y a peut-être une échelle de l'autre côté en fait. Ah mais ouais, mais il y a des échelles déjà de l'autre côté. Où ma lance ? Il m'a fait un nœud. Il m'a fait un nœud avec les lances. Enculé, je cherche le bout, il est où ? Non mais... Et non, tu demandes tu ton bot, hein. Mais non, mais normalement, il y a possibilité de déplacer le... Oh putain, il y a un de ces nombres de tuyaux sur l'échelle de gauche, là. Et par l'intérieur, tu peux l'éteindre, le feu, ou quoi ? Je me pose la question. Non, je pense pas. Oh merde, il y a pas d'échelle de l'autre côté. Ah si, ah bah non. Ah si, oui, non, quoi. Mais mec, comment on fait pour attendre de ce côté-là avec la lance ? C'est pas possible. Oh bah si. Mais je crois qu'il y a un feu dans le bâtiment maintenant. Oui, bah oui, je viens d'ouvrir la porte, donc je viens de comprendre qu'il y avait... Il y avait le feu ? J'attaque. Mais c'est peut-être pour ça qu'on est sur les lieux, hein. Attends, parce que j'arrive pas à demander à mon perso de... d'éteindre le feu en fait sur le toit. Ou alors peut-être que ça sert à rien d'éteindre le toit vu qu'il y a le feu en dessous. Parce que je veux dire, ouais. Non, automatiquement, vu qu'on va dire que t'as le feu, on va dire dans le grenier ou à l'étage en dessous, forcément. Par contre, pour contrôler la descente de la lance, je crois que je vais passer par la fenêtre. Puis là, je pense que je vais rien pouvoir faire. Putain de botte de merde. Mais... Ouais. Faut voir comment ça gère parce que là j'arrive pas à calmer le feu là. Donc, j'arrive pas à lui donner l'ordre de. C'est pas grave. Je vais passer à l'étage. Ok. Je suis dans la chambre des enfants. Ah bah je suis avec toi. Salut. Non, je vais ouvrir la fenêtre. Elle est ouverte, je crois. Elle est déjà ouverte, oui, ouais. Bah pardon, pardon. Par contre, c'est qui vient de brûler, là? C'est un collègue, t'inquiète. Mais c'est toi qui boule, gros. Non mais baisse-toi, faut que tu te baisses, t'es en train de t'étouffer. Ah, ça prend feu, moi. Mais non, mais c'est parce que tu t'étouffes avec la fumée, mais il est con, là. Il est con. Impossible. J'oublie ma baisse. J'oublie. Je vois que je suis fuck, devrait... je reste, non, mais je reste sur la fumée, c'est fait. Normal. Il devrait l'indiquer en fait. Mec, il devient tout bleu. Oh, c'est ma couleur naturelle. On est pas dans Avatar hein, pour devenir tout bleu, Ronaldo. Aïe aïe. C'est vrai qu'on avait pas venu éteindre le feu en haut en fait. Je sais pas pourquoi, mais moi je voyais que le feu en fait au niveau du toit. Je pensais pas à l'étage en fait. Si. J'espère qu'il n'y avait pas une victime parce que là, en fait, il va falloir travailler. C'est avec les bots plus. Mais non, mais le problème, c'est que moi, attends, je sais par pas, exemple, il veut si pas là. Ah, si là, j'ai pu lui donner l'ordre de venir éteindre. Mais en fait, sur celui du toit, en fait, je pense que le toit, tu peux pas l'éteindre. Tant qu'il y a le feu à l'étage. Eh, par contre, c'est trop bien fait. Regarde, t'as un miroir sur le placard, ça reflète le feu. C'est trop bien fait. Il y a du retracing. Bon bah il dormira pas dans le lit ce soir. Hein. La fenêtre elle... Attends, je vais ouvrir la fenêtre là-bas là. Trop de fumée là. Voilà. Normalement j'ai mon collègue qui est sans arrêt, que je lui ai donné l'ordre mais... Tu lui as donné l'ordre à ton pote de venir ? Non, il cassait les fenêtres. Frère, fais le feu au-dessus de toi quand même. Ah, des fois t'es tellement proche, t'as l'impression d'être en vue première personne. Ok. Voilà. Maintenant, faut juste qu'on sorte dehors pour éteindre le feu de toit et puis on est bon. Comment on fait pour sortir ? Eh, tu m'arroses à travers le mur ! Eh, mais tiens, mange !
Tu vois mon eau à travers ou pas? Par contre j'entends le feu, ça me paraît bizarre. Non c'est bon, c'est le toit. Juste à gérer le truc et c'est bon. C'est vrai que l'échelle elle est un peu courte pour le coup. Tu vois, pas assez grande. Et je pouvais aller que sur la... Oh tu vas tomber à travers la... Je voulais voir si ça marche. Allez bois, t'as besoin de boire. Je voulais voir si je pouvais te pousser avec mon jet d'eau, mais pas du tout en fait. Merde, yes, non, Oh, je viens de tomber. Oui, j'ai zoomé. J'espère que ça va pas que de l'autre côté. Bah voilà, on a d'eau. Encore un incendie d'étain. T'es costaud quand même, hein. Ah non, mais c'est parce que sinon on s'y est mal pris aussi, je t'avoue. Ah, je t'avoue. Regardez, tu es pas... Grave. Regarde sur les chattes de gauche là, comment c'était le bordel. Ah ouais. En fait, je l'ai laissé au bot pour qu'il m'accompagne pendant que je vais chercher victime. Temps de conduite rapide. Par contre, le temps de mission était un peu long. Mais je pense que c'est parce qu'en fait, on s'est attardé sur le toit alors que, tu sais, au final, vu que c'était aussi sur l'étage d'en dessous. Bah à chaque fois ça remontait donc on était à peu près 648 litres d'eau mon pote. Nous on fait pas de l'écologie moi. Porte ouverte, pièce ventilée 6. Victime sauvée. Du coup les petits potes, j'espère que cet épisode vous aura plu. Nous on se dit à la prochaine pour la suite de l'aventure. Allez, ciao tout le monde.